Niort 20e accueille Bordeaux 3e. Les Niortais sont sur une victoire après 3 défaites. Ils se sont relancés avec Oumar Tchomogo sur le banc. Bordeaux de son côté a été un petit peu irrégulier. Voilà pourquoi les Girondins ne sont plus à l'une des deux premières places. 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 5 dernières rencontres. Première possibilité en faveur de Niort. Le ballon traîne dans la surface. L'action est conclue par Moataz Zemzemi. 1-0 pour les Chamois à la 28e minute. Troisième but de la saison pour Zemzemi. Niort a créé la surprise. Le dernier du championnat mène face à Bordeaux. Mais les Girondins se relancent assez rapidement. La passe de Bakoua pour lancer Alioubadji. L'ancien Amiénois va marquer son 2e but de la saison. Il a enfin débloqué récemment son compteur et il enchaîne. Égalisation bordelaise, un but partout. 2 minutes après le but de Zemzemi, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Il reste un quart d'heure à jouer à ce moment-là de la première période. Boutoba s'amuse avec la défense bordelaise. Le centre et la reprise de la tête. Superbe but de Brian Passy, dû notamment au passement de jambe et au centre de Boutoba. Brian Passy conclut pour son premier but de la saison. Au bout du temps additionnel de la première période, Niort reprend l'avantage et mène 2 buts à 1. Grosse ambiance au stade pour la réception des Girondins de Bordeaux. Et les Niortais en profitent bien. En seconde période, possibilité pour Bordeaux d'égaliser une deuxième fois. Le tir de loin de Franz Sergio. Mais il ne parvient pas à marquer. La parade formidable de Mathieu Michel change tout. Niort a eu chaud mais mène toujours au score. Et se procure d'autres occasions avec Junior Olaitad. C'est sauvé par Poussin. L'action n'est pas terminée avec un nouveau centre. Une reprise au deuxième poteau. Et encore Gaëtan Poussin pour capter la balle. La rencontre reste assez ouverte mais le chronomètre tourne en faveur des Chamois. Attention à la contre-attaque avec ce petit lob astucieux de Junior Olaitad. Le Béninois est dans une grande forme. L'homme du lob incroyable lors de la journée précédente sur le terrain de Dijon marque encore. C'est son 2e but de la saison lancé par Sagna. Il met le dernier but de la partie, le but du 3-1 dans le temps additionnel de la rencontre. Bordeaux a craqué et doit s'incliner sur le terrain du dernier. Victoire de Niort qui se relance en vue du maintien. Victoire de Niort 3-1 contre Bordeaux.